Certains ont douté de voir un jour la 21e édition du Jumping de Liège. Ils en sont pour leurs frais puisqu'après un an d'absence, le concours est bien de retour. Ces organisateurs ont d'ailleurs présenté les grandes tendances de cette cuvée 2014 aux représentants de la presse dans le très beau cadre du Palais Provincial de Liège. Un an d'interruption, mais bon, ça, on a beaucoup de plaisir à pouvoir remettre le concours sur pied. On a connu un énorme succès. On sent qu'il y avait beaucoup d'attentes pour l'événement qui manquait. Qui avaient été tristes, déçus, fâchés, etc. Mais on voit, il y a une belle réaction cette année et je suis sûr que ça va marcher. De l'engouement déjà du côté du public, mais aussi du côté des cavaliers, à commencer par le numéro 1 belge. Même si il y avait en même temps en parallèle la Coupe du Monde à Lyon, j'ai tout de suite confirmé ma participation pour Liège parce que pour moi c'est impensable de ne pas y être. Il y a beaucoup de bons cavaliers étrangers qui seront présents. On sait tous très bien aujourd'hui des cracks cavaliers, il y en a beaucoup. Les Coupes du Monde, bon, tout le monde ne peut pas aller non plus. Ça se répartit un peu dans plusieurs concours. Et évidemment, comme Liège a un très bon concours, la bonne partie du plateau aussi sera présente à Liège. C'est une ambiance particulière, Liège ? Ça a toujours été une atmosphère qui était vraiment agréable, un public qui porte un peu les cavaliers. Donc pour moi en particulier, mais j'entends aussi de beaucoup d'autres personnes que l'atmosphère est vraiment bien et que c'est vraiment un plaisir de rentrer dans cette piste-là avec le public qui porte vraiment ses cavaliers vers l'avant et vers le haut. Nul doute que le public se manifestera également à l'occasion d'une nouvelle épreuve proposée par les organisateurs, une épreuve Pro-Am, c'est-à-dire rassemblant cavaliers professionnels et quelques chanceux amateurs au sein d'une même équipe. Une épreuve qui s'annonce d'ores et déjà spectaculaire. Le prix Loto, donc, qui est vraiment une épreuve agréable, intéressante et surtout pour les cavaliers débutants, c'est de pouvoir monter avec les vedettes de notre sport. Donc ça, c'est une innovation du loto qui nous aide à mettre le concours sur pied. Mais ça, on a lancé le jeu, vraiment beaucoup de succès. Oui, ce sera quelque chose d'intéressant pour le public. Ça fait un peu une épreuve show, une épreuve spectacle. Et surtout aussi pour les cavaliers amateurs qui auront l'occasion de concourir avec les cavaliers professionnels. Il faut dire que les organisateurs de ce jumping liégeois accordent une place toute particulière à ces cavaliers amateurs. On veut s'adresser à tous les amateurs du sport équestre, quels qu'ils soient. Donc on commence par les challenges des manèges, et puis les poneys, et puis les cavaliers débutants internationaux, les finales communautaires provinciales du dressage. Donc on veut absolument que l'événement serve à faire la promotion du sport équestre dans notre région. Et puis, on ne veut pas se cantonner rien que sur les cavaliers internationaux. Il faut penser qu'il y en a beaucoup qui veulent arriver à ce niveau-là et on veut leur donner la chance de pouvoir y arriver un jour. Côté pro, en 2004, c'est un certain Grégory Watley qui remportait le Grand Prix de Liège. Alors, pourquoi pas rééditer la performance 10 ans après ? Ça ne nous rajeunit pas, oui, c'est sûr. Mais bon, ouais, ce serait un peu un rêve de pouvoir réécrire mon nom encore au Grand Prix de Liège et pourquoi pas 10 ans après. Vous l'avez compris, l'endroit où il faudra absolument être du 28 octobre au 2 novembre, c'est bien le hall des foires de Coron-Meuse pour cette 21e édition du Jumping International de Liège. Equi TV avec l'Equimag et MC Guillaume, véhicule utilitaire.